Abou Adam est le nouveau secrétaire général du Syndicat national des professionnels de la presse de Côte d'Ivoire, Synapsi. Le journaliste Abou Adam, journaliste au quotidien Le Jour Plus, a remplacé Guillaume Gébateau, en qualité de secrétaire général par intérim du Syndicat national des professionnels de la presse de Côte d'Ivoire, Synapsi. La nouvelle fonction de Guillaume Gébateau incompatible à la structure. Le bureau exécutif du Syndicat national des professionnels de la presse de Côte d'Ivoire s'est réuni le samedi 29 janvier pour statuer sur la situation de l'organisation liée à la nouvelle fonction politique du secrétaire général Guillaume Gébateau, incompatible avec celle de premier responsable du syndicat, structure apolitique. Il a été décidé au cours de cette réunion que le journaliste Abou Adam, deuxième secrétaire général adjoint chargé des revendications et de l'organisation, porte-parole du syndicat, assure l'intérim du secrétaire général jusqu'au prochain congrès extraordinaire. Il a invité les membres du bureau exécutif national à travailler dans la cohésion pour aider le nouveau secrétaire général par intérim à réussir sa mission. Au cours de cette rencontre, l'ex-secrétaire général Guillaume Gébateau a remercié tous les membres du Synapsi et de façon générale les hommes et femmes des médias pour leur engagement dans la lutte pour l'amélioration des conditions de vie et de travail des professionnels de la presse, depuis plus de 20 ans. Il a invité les membres du bureau exécutif national à travailler dans la cohésion pour aider le nouveau secrétaire général par intérim à réussir sa mission. Lire aussi Côte d'Ivoire, deux journalistes poursuivis par des dozos au tribunal de Daloa. L'appel à la consolidation de l'écosystème de la presse. Le Synapsi voudrait rassurer tous les acteurs du secteur des médias, ses partenaires sociaux et les pouvoirs publics, de son engagement à continuer de jouer pleinement son rôle dans le dialogue social, en vue de la consolidation de l'écosystème de la presse en Côte d'Ivoire pour un secteur des médias plus compétitif, gage d'une démocratie durable et d'un développement économique réussi.